Voici les mouvements que nous allons apprendre pendant ce cours. Aujourd'hui, nous apprenons de nouveaux mouvements. D'abord, chasser les lucioles avec l'éventail. Ce nom vient d'un poème de Du Mu de la dynastie des Tang. Il fait allusion à une jolie jeune femme qui chassait les lucioles un soir d'automne. Je fais une fois ce mouvement, regardez bien. L'éventail dans la main droite, on le remonte, on avance le pied droit, le poids du corps passe devant et on tourne le corps. Puis on tourne la taille à droite, on place la main gauche devant et la main droite tire à droite. On avance le pied gauche et on tient l'éventail à l'horizontale. Puis la main droite s'étend devant. L'ensemble du mouvement est gracieux et il exerce la fluidité de la taille. La rotation du tronc exerce la mobilité des épaules. Faites-le avec moi, chassez les lucioles avec l'éventail. Le mouvement « les deux pieds ébranlent la terre » provient du Tai Chi Chuan style Chen. On saute et atterrit simultanément avec les deux pieds. Je vais faire une fois ce mouvement. À partir du mouvement précédent, l'éventail dans la main droite, on décrit une courbe vers le haut et on ouvre les bras. On relève la pointe du pied gauche, le poids du corps passe devant et on avance. Les mains se réunissent puis descendent. À ce moment, on saute verticalement et on atterrit simultanément avec les deux pieds. Faites-le avec moi, les deux pieds ébranlent la terre. Le coup de talon est également un mouvement du Tai Chi Chuan style Chen. Je le fais une fois. Préparation. L'éventail dans la main droite, on pousse devant. En même temps, on place la main gauche au-dessus de la tête, le bras gauche formant une courbe. Bien, regardez-moi faire. Après avoir posé le pied, l'éventail dans la main droite, on le ramène devant l'épaule, puis on pique devant. Puis, on avance simultanément le pied gauche et on croise le pied droit derrière. On place l'éventail au-dessus de la tête et on ouvre le bras gauche. Puis, on tourne le corps et on passe en position du cavalier. On descend bien et on tient l'éventail verticalement à droite. Faites-le avec moi, le coup de talon. Pratiquez l'enchaînement des mouvements avec moi. Le kung-fu de l'éventail est un sport très artistique. C'est un savant mélange de mouvements du wushu et de musique. Une pratique régulière permet d'améliorer le sens du rythme, ainsi que la capacité de reconnaître, apprécier, exprimer et créer la beauté artistique. La musique du Guqin emporte généralement l'esprit à un niveau plus élevé que l'ordinaire. L'art du Qin et le Kung Fu ont des règles communes.
Le joueur de Qin doit être assis bien droit, l'esprit concentré, le haut du corps centré et détendu, et contrôler sa force. Lors de la pratique du Kung Fu de l'éventail, les mouvements du corps et des mains doivent être liés et coordonnés. L'ensemble doit être ouvert et continu, donnant une sensation de beauté au spectateur. Maintenant, pratiquons les mouvements appris dans ce cours. Voyons les points clés de chasser les lucioles avec l'éventail. Ce mouvement implique la coordination du corps avec l'éventail. Je le fais une fois, regardez bien. L'éventail dans la main droite, on tourne la taille à gauche, ce qui ramène l'éventail. Ensuite, on tourne à droite, on avance, puis on étend l'éventail devant. Le bras doit être quasiment tendu et l'éventail ouvert. Pratiquez avec moi, chassez les lucioles avec l'éventail. Voici les points clés de les deux pieds ébranlent la terre. Ce mouvement exige de sortir la force en même temps au niveau des pieds. Après le pas, on doit emmagasiner l'énergie, puis sauter et atterrir avec les deux pieds en même temps. Pratiquez avec moi, les deux pieds ébranlent la terre. Voyons les points clés de le coup de talon. Dans ce mouvement, la poussée de l'éventail et le coup de talon sont simultanés. Regardez-moi le faire une fois. On continue avec le prochain mouvement, le piquage. On doit piquer avec le maximum d'énergie, loin devant, la force atteignant la face de l'éventail. Pratiquez avec moi le coup de talon. Pratiquez l'enchaînement des mouvements avec moi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment apprécier et collectionner les éventails. De par son charme artistique unique, l'éventail a toujours été une catégorie importante des objets de lettrés, et ce depuis la dynastie des Ming. La collection d'éventails comprend les éventails finis, les feuilles et les montures. Ceux qui ont la plus grande valeur de collection sont les éventails avec dessins et calligraphies d'artistes connus. Pour collectionner ce genre d'éventail, il faut bien connaître et apprécier la calligraphie et le dessin, ainsi que distinguer les productions authentiques des fausses. Après la collection des feuilles, vient celle des montures. La valeur des montures dépend de la rareté du matériau utilisé et de la finesse de sa taille.
Bref, il faut avoir accumulé un certain nombre de connaissances en éventail pour pouvoir les collectionner. Les matériaux, la finition et le prix divergent fortement selon les éventails. Il faut donc être vigilant avant d'en faire l'acquisition. Le cours touche à sa fin. Pour terminer, regardez la quatrième partie de la forme du Kung Fu de l'éventail du style Krayuan. On se retrouve au prochain cours.